Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais ma mayo minute inratable. Vous avez besoin d'un œuf, de préférence des poules qui courent dehors, 200 g d'huile, du sel, du vinaigre et de la moutarde à l'ancienne. Je reçois beaucoup de questions pour demander quelle huile utiliser pour la mayo. C'est une question de goût. Il y a des gens qui aiment la mayo avec de l'huile d'olive, il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout ça. À ce moment-là, vous pouvez utiliser de l'huile de colza ou alors un mélange. Alors mon mélange qui fonctionne assez bien à la maison, c'est de l'huile d'avocat, huile de cameline et huile de tournesol. Vous avez besoin d'un mixeur plongeur et un récipient qui est haut. Versez l'œuf en premier, puis ajoutez le sel et la moutarde, puis versez l'huile dessus et plongez le mixeur plongeur dedans. Commencez à mixer jusqu'à ce que la mayonnaise monte toute seule. Ça prend à peu près 30 secondes. Puis versez le vinaigre, ici j'ai utilisé du vinaigre de riz, mais ça peut être autre chose aussi, et votre mayonnaise est prête. Comment aimez-vous la mayonnaise? Partagez dans les commentaires. Bon appétit, bon apéro !